Voilà, donc on est dans la session de l'après-midi hein, qui va être consacrée à la partie physique, à la démonstration. Donc on va commencer avec Anne-Laure Morini et Christophe Keller n'est pas là, je vous en parlais tout à l'heure, il est excusé parce qu'il a eu l'opportunité de passer quelques jours chez les Hawks d'Atlanta, l'équipe de NBA. Donc c'est un privilège qui est suffisamment rare pour ne pas avoir de choix à faire. Alors il est désolé de ne pas être avec nous, mais c'est pour une bonne cause comme on dit. Donc Anne-Laure, je vais te passer le témoin, comme on dit, ouais. Puisqu'on est entre athlètes. Et puis, elle va, avec des cobayes, hein, on va dire gentiment, faire une séance de réathlétisation. Je te laisse c'est la ça. Parole. On va partir du principe que vous êtes tous blessés sur, au niveau de la hanche, que vous avez tous des problématiques, vous êtes désespérés. Du coup, ce que je vous propose, on va partir sur, parce que j'ai pas beaucoup de temps, hein, mais on va partir sur 10 minutes de travail d'échauffement. Donc, je vais vous demander de vous mettre derrière la ligne blanche. Premier exercice, vous allez après vous mettre ici parce qu'on va aller dans ce sens-là. Donc j'ai peur que vous soyez un peu gênés par les obstacles. C'est aussi des exercices que j'utilise lors de la toute première séance que j'ai quand ils arrivent au centre, parce que c'est vraiment les exercices qui me permettent de lire au niveau de la voûte plantaire si ça commence à partir un peu sur les côtés ou si ça s'écrase. Donc c'est vraiment des exercices que j'utilise dans la batterie de test quand ils arrivent en réa. Du coup, je vais vous demander de venir dérouler le talon du pied, de talon pointe, ici, en prenant le maximum de temps, et venir ici, dérouler, talon pointe. Voilà, le plus doucement possible. Donc là, on va avoir différents profils. Voilà, je vous laisse continuer, hein, je vous laisse gérer vos pauses. On va avoir ceux qui vont avoir le pied qui va vachement partir sur l'extérieur, au contraire, vachement à l'intérieur, mais moi, je vais essayer d'observer ça. C'est-à-dire que je vais essayer de voir ceux qui rentrent les pieds vers l'intérieur, en inversion, en éversion, ceux qui ont cette capacité à maintenir le bassin, etc. OK. Vous allez revenir en marchant. On va refaire la même chose. Maintenant, comme vous avez bien maîtrisé le truc, je vais vous donner une consigne technique à laquelle j'essaye d'être vigilante, c'est que sur cet exercice-là, pour qu'il soit bien réalisé et pour vraiment chercher à renforcer la voûte plantaire, ce que je vais demander, c'est de venir ici attaquer et d'aller chercher avec le gros orteil. D'accord ? Donc, il va falloir venir dérouler le pied à l'aide de la face interne. Ça doit limite vraiment vous détruire le pied du dessous et vraiment chercher avec le gros orteil à ce qu'on appelle gripper. D'accord ? Pour vraiment terminer l'appui et venir ici. D'accord ? Je vais vous demander de rétroverser légèrement le bassin, de venir rentrer le ventre et de chercher à vous grandir pour venir ici. Parce que ça va me permettre de créer des points d'appui. Si je suis ici, ça va partir un peu en déséquilibre. Donc ça va vous permettre d'optimiser votre équilibre. Je vous laisse y aller. Ceux qui maîtrisent vont pouvoir venir aussi, venir chercher avec des rotations de bras. Ces exercices me permettent aussi de voir ceux qui ont tendance à engager beaucoup avec les épaules, beaucoup vers l'avant. Donc ceux qui ont des pathologies de hanche et qui sont vachement engagés ou à compenser avec les épaules, c'est quelque chose que je vais essayer de rééquilibrer. Voilà, ce que je vous demandais, de fermer les yeux et de continuer l'exercice. Voilà, comme vous êtes filmé, il n'y a pas de problème, le bêtisier pourra ressortir. Attention, on n'oublie pas la rétroversion du bassin, on n'oublie pas d'aller chercher avec l'intérieur du pied. Tous ceux qui ont les pieds qui partent sur l'extérieur, vous sentez qu'il y a une petite déficit sur la voûte plantaire. Je le fais, même moi j'ai un problème, mais de toute façon je suis plus athlète, donc j'ai plus besoin de travailler ça. Je vous laisse revenir en marchant. Donc ça c'est plein d'exercices, après on peut les varier de différentes manières, en combinant des exercices sur le haut, bas du corps, avec des medicine balls, avec des barres, avec des rotations de buste. Après c'est à vous d'adapter. On va partir sur un autre exercice. Là vous allez venir ici, vous allez shooter devant, shooter derrière et pousser pied. Donc là, je suis sur l'appui, je viens shooter devant, je viens ici, un peu comme le Nordic Hamstring, voilà, tout en maintenant l'alignement de mon dos, et pousser pied. D'accord ? Donc je viens ici, hop, et je pousse. D'accord ? Je vous laisse tester. Donc l'objectif, c'est vraiment de travailler de manière globale, il n'y a aucune partie du corps qui est épargnée. N'oubliez pas que le gros orteil doit gripper le sol pour vraiment qu'il y ait un appui au sol. Prenez votre temps, essayez de maîtriser, gardez le ventre rentré,
et je place. Ok, on continue en fermant les yeux. Continuez. Donc l'objectif aussi de la réathlétisation, mon objectif premier, c'est vraiment aussi de les sensibiliser sur la perception, le sens un peu kinesthésiste, parce que c'est pour moi le seul moyen qui permettra de faire le transfert sur le terrain. C'est leur capacité, eux, à sentir comment ils s'organisent dans l'espace. Et comment ils, c'est quelque chose aussi qui permettra de sentir pour s'auto-corriger. Et, donc ça, c'est la base. Je vais voir sur cet exercice les yeux fermés, justement les rotations du bassin et ceux qui sont gainés ou qui ne le sont pas. Ou ceux qui savent utiliser le gainage ou ceux qui ne le savent pas. Ok, on relâche. Je vais vous demander de revenir à votre ligne. Ça va ? Maintenant, on va faire un truc. Je ne sais pas s'il y a du judoka dans la salle, mais on va partir la même chose. Là, j'étais pas stable. On va shooter devant, shooter derrière, pied. D'accord ? On shoot devant, on shoot derrière, pied. Au-delà du grip au niveau de l'orthèse, ce que je vais vous demander, c'est vraiment de centrer votre attention sur le ventre, chercher à rentrer le ventre, d'accord ? Et limiter justement cette hyper-rotation. Je laisse y aller, je vous en faites 2-3 les yeux ouverts et puis après vous enchaînerez les yeux fermés. Le pied doit être bien à plat. Essayez de sentir ce qui se passe au sol, n'y allez pas trop vite. Voilà, parfait. Donc aussi, on peut observer là-dessus, les genoux. Quand il y a des genoux qui partent un peu ici, ça veut dire qu'il va y avoir peut-être un problème de fixation au niveau du bassin. On ferme les yeux. C'est pas mal, ça commence à s'adapter. Donc vous avez vu, on voit beaucoup de choses. Vous êtes entraîneur, préparateur physique comme nous. Donc c'est des tests tout cons, mais qui sont efficaces. Sachant que je ne sais lire qu'en mouvement, à titre personnel. Donc j'ai besoin de mettre en mouvement pour observer. Et je ne sais pas lire, je sais lire, mais j'obtiens très peu d'informations. Ok, on revient en marchant. On va poursuivre sur des exercices un peu plus dynamiques. Et j'ai rien inventé. J'ai été formée en athlétisme par certaines personnes aussi qui sont là. Donc Christian, qui est ici. Et c'est des choses qui m'ont appris quand j'étais à l'école d'athlétisme, quand j'étais junior ou débutante. C'est des choses que je retransmets aujourd'hui. Parce qu'on est avec des athlètes qui sont hyper spécialisés et qui arrivent à l'INSEP sans fondamentaux. Donc c'est difficile de monter un château de cartes sans base. Donc on est clairement là-dessus. J'enchaîne. Petit exercice de pied. Donc je vous demande en dynamique de garder exactement l'intention du grip, de l'orteil. D'accord ? Et là, vous allez venir ici. Une touche talon, une touche pointe. D'accord ? Cet exercice serait trop facile. Donc je vais vous demander de combiner ici. Avec une rotation des bras. D'accord ? Cet exercice, forcément, il faut se concentrer, mais je n'y arriverai uniquement si je rentre bien mon ventre pour créer du lien entre ce qui se passe entre le haut et le bas du corps. Alors, une touche talon, une touche pointe. D'accord ? Je ne vais entendre aucun bruit au sol. Avancez vers moi. Ok, c'est coordination. Donc on est clairement là-dessus, les athlètes de l'INSEP, en tout cas que je récupère, très peu de coordination proche de zéro. Alors que c'est des choses qu'on fait à la cour de l'école, normalement. Vous changez de côté ? Et je ne vous ai pas demandé de fermer les yeux. Enchaînez. On repart ici, puis je vais vous demander de fermer les yeux. D'accord ? J'arrive à le faire, donc ça devrait le faire pour vous. Ok. Ok, on relâche. Super. On va complexifier parce que celui-là était assez facile. Non, on est clairement à la. Voilà, quand on est préparateur physique, pour moi, la coordination, c'est vraiment ma colonne vertébrale un petit peu, et sur la réathlétisation, je ne fais que réathlétiser à partir de la coordination. Ok, maintenant que c'est easy, on va partir jambes fléchies, jambes tendues. D'accord ?
Comme j'aime pas faire les trucs simples, on va venir ici. D'accord ? Et après, on fera celui-là, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vous laisse après vous organiser comme vous voulez. Ce que je veux, c'est comme si vous teniez une barre. Flexion, extension, fixation du genou, jambe tendue. D'accord ? Attention, j'oublie pas mon fondamentaux, c'est le grip de l'orteil. Si mon pied il est mort et qu'il ne fait rien dans la chaussure, la réception sera difficile ou traumatique. Voilà, cherchez à faire aucun bruit au sol. Rentrez le ventre. C'est pas mal, il y a certaines majorettes, je pense, ici. Ok, on relâche. On revient. On peut toujours complexifier en rajoutant des charges, en rajoutant des yeux fermés, des oreilles bouchées. Je travaille beaucoup aussi en bouchant les oreilles pour perturber les sens. Ok. On va terminer là-dessus. Maintenant, on va venir croiser devant, croiser l'extérieur. D'accord ? Au niveau des mains, je vais vous demander juste de les mettre ici. D'accord ? Vous allez venir ici. Et après, vous allez venir fermer les yeux. Vous fermez les yeux, pas pour amuser la galerie, mais pour essayer de centrer votre attention sur ce qui se passe au niveau du grip, de l'orteil, du transverse et de la rétroversion du bassin. C'est parti. Mais ça amuse quand même la galerie, vous inquiétez pas. Voilà, cherchez à vous grandir. Attention de ne pas perdre le placement du bassin. Ok, c'est pas mal, on relâche. Super. 10 minutes. Du coup, on va enchaîner sur le circuit. On aurait pu en faire des centaines, des exercices comme ça, mais vous avez compris l'idée. Si vous voulez aller voir un coup, vous pouvez. Sinon, je vous explique tous les exercices. Donc, on part d'accord sur une pathologie de hanche. D'accord. Donc, je vais vraiment centrer mon attention sur justement cette capacité à avoir une extension de hanche. Je vous montre tous les exercices, je vous donne les consignes. Après, je vous demande de mettre en place. Vous allez travailler dessus pendant 30 secondes et tous les 30 secondes, vous switchez d'exercice. D'accord ? S'il y en a qui veulent s'y intégrer, il n'y a pas de problème. Premier exercice que j'utilise, c'est de venir ici avec un élastique plus ou moins tendu, de venir se placer sur les talons. Donc je rappelle là, je vais demander toujours des placements entre guillemets squat. Avec en appui sur les talons. Je ne demande pas de faire de l'haltérophilie, c'est juste pour travailler moi et renforcer les muscles fessiers. D'accord ? Si j'avais envie de travailler plus sur les quadris, j'aurais pu faire un placement de pied différent. D'accord ? Mais là, je dis pas que sur un squat, il faut faire sur les talons. D'accord ? Mais je dis juste que dans mon objectif de mon exercice, je veux me mettre sur les talons. Donc l'exercice va être ici. Je vais effectuer un swing avec le kettlebell. Je vais me placer ici. Et en fait, ce que je veux, c'est que ça soit à l'aide du bassin, j'arrive à faire une extension de hanche. D'accord ? Donc là, vous allez voir, vous allez voir ce que vous allez renforcer, je pense que vous allez le sentir. Mais l'objectif, c'est vraiment de travailler du bout du pied jusqu'en haut, de n'épargner aucune chaîne musculaire et de travailler vraiment de manière globale. D'accord ? Donc, je passe sur les talons, je swing, les mouvements s'effectuent en premier lieu que par le bassin. Et après, ça donne de l'élan pour le reste. J'ai juste ça que j'avais déplacé. Autre exercice. Ça, c'est ma vie. Donc, je l'utilise partout et tout le temps. Et les athlètes détestent cet élastique. Je ne veux pas faire de la pub. Hein. Donc, il y a différentes résistances. Ici, je vais vous demander, on va utiliser le truc de basket, on va dire que vous êtes des joueurs de basket, de venir ici se déplacer en croisé, en continu, d'accord, en venant ici. D'accord. Si vous ne maîtrisez pas, on peut rester ici, sinon on peut rajouter une tâche haut du corps. L'objectif ici, pour moi, c'est de jamais avoir les genoux qui dépassent la ligne des orteils. Donc je suis vraiment sur le talon. Et je viens chercher ici pour renforcer le muscle fessier. D'accord ? Dans un sens, puis dans l'autre. Placement du transverse toujours. Autre exercice. Pareil, je me suis un peu adaptée. Vous avez vu que j'ai pris un balai parce que j'avais pas de barre.
Là, j'ai pas testé en plus. Donc là, je vais vous demander de venir ici, de vous placer légèrement en avant. L'objectif va être vraiment de descendre ici, en acceptant l'extension ici. D'accord ? Donc ça doit vraiment vous tirer sur le psoas et de venir à l'aide d'une extension de hanche, venir remonter. Ok ? Ça, je vous préconise de le faire assez doucement. Ce que je vois ici sur ces exercices à chaque fois, je descends, j'ai la rotation du bassin. Donc du coup, je tire quand on a une dysplasie de hanche, c'est assez limité et vaut mieux pas le faire. Donc venir vraiment ici, légère rétroversion et devenir extension de hanche. D'accord ? Le genou doit toujours rester dans l'axe, jamais dépasser la ligne des orteils, jamais rentrer vers l'intérieur. Ou au contraire, pour ceux qui ont les jambes un peu arquées, de passer sur l'extérieur. Donc je vais créer un alignement. Je vais aller chercher le grip de mon orteil. Une fois que mon pied est grippé au sol, je me suis créé un point d'appui. Je vais fixer mon genou, je fixe mon bassin et je vais pouvoir effectuer l'exercice sans problème. Ok ? J'ai rien mis là-haut, mais on peut s'amuser. Pareil, d'habitude, j'ai une petite haie. Donc après des exercices de renforcement, dans un circuit type hanche, j'y mets toujours des exercices de mobilité. Ce qu'on va faire, c'est avec le banc, de venir ici. D'accord ? Donc le plus vite possible, venir ici effectuer une flexion. D'accord ? Si vous êtes à l'aise, on peut mettre ici une petite extension de hanche. Ça équivaut à l'exercice au niveau des haies, d'accord ? Qu'on peut faire un peu dans tous les sens. Autre exercice. Pareil, vous remettez les petits élastiques. Et là, ce que vous allez vous mettre, vous allez vous placer en squat. Venir ici, le dos le plus droit possible. Et venir, sans bouger mon genou, sans avancer mon genou vers l'avant, toujours poids de corps sur le talon, venir effectuer des rotations. Je vous propose d'aller dans un sens, puis dans l'autre. D'accord ? Pareil, la clé d'un bon positionnement, c'est le grip ici, fixation. Vous avez trois verrous à fixer. Et là, vous allez pouvoir vraiment effectuer l'exercice. D'accord ? Cet exercice, vous pouvez le faire aussi comme ça, mais en rotation, c'est assez intéressant. Autre exercice, venir ici en fente, de venir descendre, remonter, d'accord ? Et venir ici dans trois axes. Même consigne au niveau du genou. Donc ça, c'est pareil, ça ressemble vachement au TRX, mais de venir ici. Mais moi, ce que je veux vous porter l'intention, c'est que pour moi, tout part du bassin. D'accord ? Donc si le bassin effectue le mouvement au premier, tout le reste, ça va suivre et ça va vous permettre d'avoir de la fluidité. Ensuite, et je crois que ça sera le dernier, il va falloir se mettre sur le bosu, d'accord ? En y mettant l'élastique. Une fois que vous êtes placé, je vais vous aider à vous placer, vous allez vous placer en squat, d'accord ? Même consigne, jamais de devant, toujours le poids de corps sur l'arrière. Et de venir ici, travailler en rotation. Ok ? Top, c'est parti. Voilà, donc cherchez à vous redresser, voilà, et passe, tac, passe devant, derrière. Alors regarde, là tu passes, tac, devant. Voilà, n'oublie pas que je veux toujours que tu marches sur les talons. Donc là, vous avez vu, il y a une tendance valgum, vraiment les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Regarde devant toi, et je te rappelle l'exercice, hein, si jamais tu t'ennuies. Voilà. Que tu arrives à effectuer les rotations, voilà, sans tourner tes genoux, regarde. Tu vois ? Hop, il faut que tu apprennes à dissocier, voilà, et tu cherches à regarder derrière. Voilà, bien de poids le corps sur les talons, encore un peu plus sur les talons. L'objectif d'avoir le poids de corps sur les talons, c'est d'éviter justement, top, ça fait 45 secondes, excusez-moi, j'ai... L'objectif d'avoir le poids de corps sur les talons, c'est d'éviter une hyperpression au niveau des genoux. Je vous laisse vous mettre en place.
Les élastiques, les garçons, ça devrait vous épiler, donc n'hésitez pas à mettre le shirt juste... C'est tout en un. Si jamais il y avait des questions, n'hésitez pas, hein. Je vous le rappelle. Voilà, vas-y. Écarte un peu tes pieds. Ok, on y va, top, c'est parti. Voilà, donc là, t'as vachement engagé avec les épaules. Tu vois, t'as été super fort. Mais moi, ce que je veux, c'est le bassin. Donc, talon. Ok, encore, talon. Ok, maintenant, je cherche à me créer du mouvement. Là, tu vois, t'es vachement saccadé. Moi, ce que je veux, c'est du mouvement. Dès que tu vas saccader, tu vas me créer des crispations. Voilà, n'oublie pas que le mouvement, il se termine vers le haut. Voilà. Descends sur tes jambes. Va chercher de l'amplitude. Pas de vitesse, mais vraiment de l'amplitude. Attention, rentre ton ventre. Tu me l'as lâché. Attention à ton orteil aussi. Ici, tu viens gripper. Tu regardes bien devant toi. Ok. Anne-Laure, question. Top. On relâche. Dites-moi. J'avais une question ici. Là. J'avais une question sur le travail de pied à l'échauffement. Ouais. Est-ce qu'on doit le faire en basket ou pieds nus, en fait ? Alors, d'un point de vue pratique, je le fais en basket parce que c'est l'échauffement et qu'on enchaîne derrière. Sur mes tests, je les fais pieds nus. Et des fois aussi en chaussettes, ça ne me dérange pas. Mais je le fais pieds nus et je travaille sur des tapis de temps en temps. Et sinon, tu travailles ici pieds nus. Y a pas de... Mais ça m'arrive de travailler avec des judokas, des taekwondoïs. Ceux qui travaillent sur le tapis, de regarder aussi sur le tapis, de faire le test sur les deux surfaces. Ça dépend ce que tu cherches... Mais la proprio, c'est mieux pieds nus. Voilà, je sais que c'est pour ça que tu m'as posé la question. On y va ? C'est parti. Donc... Voilà, bien le poids de corps derrière. Et là, en fait, tu vas venir regarder derrière. Et voilà. Vas-y, tourne. Donc, soyez vigilants sur les genoux. Donc, pour lui, excuse-moi, ton prénom ? Franz. Franz, toi, tu as ton genou vachement qui descend ici. En plus, tu as des tendinites, non ? Oui. Ok, donc tu vas vraiment venir derrière et fixer ton genou à ce niveau-là. Voilà. Si tu es limité par ton amplitude, tu n'es pas obligé d'aller super loin. Par contre, voilà, ce n'est pas les épaules qui montent, c'est l'extension de hanche. Voilà, c'est ça. Ok, top, on switch. Donc c'est des exercices en fait qui paraissent assez simples, mais qui exigent un niveau de concentration qui est assez important. Donc c'est vrai que quand les athlètes arrivent en réathlétisation, que je leur donne des exercices entre guillemets un peu bizarres, où je leur demande vraiment d'être centrés et de concentrés, ils ressortent vachement lessivés, parce qu'il y a un aspect cognitif qui est vachement sur lequel je mets l'accent. La coordination aussi demande énormément d'attention et de concentration. Donc le développement du sens kinesthésiste est très coûteux en termes de charge. Ok, on y va, on enchaîne. Moi, je pense que vous avez vu un petit peu l'esprit. C'est pas mal, ça. Voilà. Encore plus au niveau du bassin. Encore. Donne de l'accélération, voilà. Et ne s'accade pas à la fin, c'est-à-dire crée du mouvement. Je pars du principe aussi que tous les exercices doivent se faire en mouvement. En tout cas, c'est ma manière de travailler. Donc, je n'utilise très peu le squat maintenant. J'ai beaucoup utilisé, mais de moins en moins. Je suis plus sur des exercices en mouvement. Mais parce que je travaille avec une discipline qui requiert ça, et que c'est ma philosophie et celle de l'entraîneur. Donc, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est une philosophie de travail. Ok, on switch. Je fais une dernière rotation et puis comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais juste terminer sur des exercices de rotation que je voulais vous montrer. Des exercices que je suis allée, entre guillemets, voler à la danse classique. Alors avec ton genou, tu vas faire attention. Ouais. Déjà, le premier objectif de cet exercice, c'est de tenir. Ok. T'as mal au genou ou pas ? Non. On y va, c'est parti. Donc, si ça tremble, c'est juste un... Voilà, cherche à rentrer ton ventre, super. Voilà, et poids de corps sur les talons.
là, vous avez vu qu'elle est un peu sur l'avant. Moi, ça me pose problème, donc je demanderai plus de... Voilà, reste toujours fléchi, tac, et tu sens que ça travaille bien, ok. Et là, vous avez vu ici le genou devant. Donc ça, je viendrai ici, je dirais, voilà. Ça, c'est les haltérophiles, non? Excuse-moi. Donc voilà, bien poids de corps derrière, et c'est l'extension de hanche qui va faire que tu vas monter. Parce que le quadriceps, je sais que tu as de la force, je veux le bassin. Ok, top, on relâche. Merci à vous d'avoir donné un peu de... J'enchaîne. 5 minutes. Je vais juste terminer sur des exercices que j'utilise. Comme ça, vous aurez vu un petit peu la construction d'une séance. Des exercices que je fais... Alors, au niveau des étirements, dans ce cadre-là, dans le contexte que je vous ai fixé, hein, problématique de hanche et réathlétisation dans les premières séances, je vais effectuer des exercices comme ça, de mobilité en dynamique. Donc le premier, on va venir ici, et venir en continu chercher de la mobilité. Donc ça, je peux vous demander de le faire une dizaine de fois par côté. Je vous en prie, prenez place. Enfin, sur l'exercice que je viens de vous montrer, ouais. J'utilise beaucoup ces exercices, ça je voulais en parler, parce que mon dilemme à la réathlétisation, c'est de trouver un juste dosage entre un... Je vous cite un athlète à moi qui est arrivé... je peux vous-même vous citer un athlète de Mathias Ricard, Souleymane Sissoko, qui arrive pour un conflit de hanche, et il faut absolument le réathlétiser avant la qualif pour les Jeux. Il arrive, sa qualité première, c'est d'être explosif. Le problème, c'est qu'il s'est blessé parce qu'il a un manque de mobilité au niveau des hanches. Première chose qu'on me dit, il faut faire de la souplesse. Ah ouais, mais moi, ça me pose problème parce que du coup, je vais perdre ses qualités d'explosivité. Donc du coup, moi, comment je me positionne? J'essaie de trouver un juste milieu, donc je fais un petit peu de souplesse, un petit peu d'assouplissement pour réduire les hyperpressions. Et je ne travaille que en mobilité. Et avec tous les exercices que j'ai pu vous montrer, on travaille qu'en mobilité. Et ça, ça a permis un peu d'apporter un peu d'huile dans son système un peu rouillé. Et voilà quand on a réussi. Mais mon dilemme à moi, c'est de garder les qualités premières de l'athlète sans les dénaturer, sans le dénaturer. Oh, ok, on enchaîne. Autre exercice, sur le dos. Vous allez venir ici, vous allez faire comme si vous allez vous étirer les fessiers, mais vous allez mettre les deux pieds ici. On va effectuer une rotation, donc là on va travailler vraiment sur les chaînes croisées. Ma main ici là va venir rejoindre l'autre et je vais regarder par en dessous. Et je vais effectuer des rotations ici pour venir relâcher les lombaires. Je vous laisse tester. Voilà. Tu peux rappeler l'intérêt de ces exercices? L'intérêt ici, c'est vraiment de travailler sur les chaînes croisées, donc c'est chercher à relâcher jusqu'au bout du doigt. Donc le système de torsion, en fait, vous comprenez bien qu'on va créer un système un peu réflexe et derrière relâcher. Donc je travaille énormément en rotation, les exercices que vous avez pu voir ici me permettent de ça. Pareil, du coup, je vais enchaîner pour aller vite. Autre exercice que j'utilise beaucoup, c'est forcément l'étirement du psoas. De venir ici, pareil, travailler en rotation ici. Hop, je fais attention de ne pas avoir le genou ici, de ne pas avoir le genou qui commence à faire sa vie, mais vraiment venir ici. Donc, on cherche toujours de l'autograndissement, on cherche de la rotation, et venir ici. Et le quatrième exercice que j'utilise tout le temps, c'est celui-là, voilà, où en fait je demande à l'athlète de faire des exercices au niveau du diaphragme, de prendre une expiration forcée, donc on va prendre une inspiration et expiration ventrale, et je vais lui demander de venir arrondir le dos. Arrondir le dos, faire le chat et faire tout ce que vous avez pu entendre, et en travaillant avec le diaphragme. Et ça, c'est la construction de mes séances. Évidemment, j'évolue, j'adapte, mais c'est vraiment toujours terminer sur des exercices de diaphragme pour essayer de libérer les pivots du rachis. Voilà, j'espère que ça vous a
légèrement intéressé et que vous allez vous mettre à la prévention et à la réathlétisation, parce que ça fait partie pour moi d'une qualité inhérente à la performance. On essaie auprès des pôles ici sur l'INSEP de rendre cette prévention et réathlétisation culturelle. Et donc je sais que ça passe par vous. Donc voilà, avant de faire de la force max, il faut déjà avoir des bases. Et comme je vous ai parlé du château de cartes, mais il ne pourra jamais aller super haut si vous n'avez pas construit des bases au préalable. Donc merci à vous. Merci Anne-Laure.